Au départ, on était deux, mais ça a vite changé. Ça, c'est Kevin. La dernière fois que je l'ai vu, il était défoncé dans une fête sur un yacht. Il participait à une sorte de concours de plongeon. Je pense que les requins ont eu raison de lui. Mika, ou le sudiste pour les intimes. Ce type a un zizi festif tellement long qu'il pourrait vous étouffer avec. Mais bizarrement, c'est un mec sûr. DZZ, le lieutenant de la GFC. Un tantinet nerveux, mais d'une efficacité redoutable. Ce mec peut piloter n'importe quel coucou, du moment que vous lui mettez des ailes et un peu de kérosène. Ça, c'est le chef, le PDG, le boss quoi. Tony, toujours prêt à lancer ses troupes dans toutes les situations explosives, du moment que ça rapporte un max de blé. Et enfin, votre fidèle serviteur, Keith Blair. J'ai fondé le GFC avec Tony. Mais ce qui nous attendait dépassait tout ce qu'on avait pu entreprendre jusqu'à présent. Il y a de la nouvelle voiture. À fond, Chester. C'est bon ça. Il y a des riches dans votre trou, quand même. Ce matin-là, on avait rendez-vous avec un contact. On devait récupérer des codes. Donc moi, techniquement, je prends la petite rue là-bas, quoi. En face de toi, ouais. Techniquement, c'est ça. Ouais, il faut que vous couvriez nos arrières, les gars. Parce que nous, on est au milieu, ouais. On est dans la cour. Ils arrivent, les boulets. Hein. Les boulets. Ouais, je parle pas de la voiture, hein, je parle de la fille. La prochaine calandre. Et ce pare-choc. Oh putain. Et je te parle pas des airbags. Hein. Nice. Ah là là. Oh, le spoiler. comme dans Ohai. Mate-moi cette paire de clignotants arrière. Tiens, il est plus drôle. Il est mort le courrier. Il a mouru. Et puis elle va avoir 6 trous de balle, ça va être. Faut se barrer. Ouais, c'est bon. La mallette. Qu'est-ce qu'il y a là, la mallette? Elle se casse. C'est bon, je l'ai. Ok. Vas-y, viens, on prend leur voiture. On m'en fout. Là, la noire, leur voiture. Vas-y, viens, la verte. La verte. La verte. Allez, quiche. On se casse, les mecs. Quiche, moi, là. Attends, tu prends l'arme. Tu prends l'arme. Tu prends l'arme. La plus étroite, toi. Ouais. Allez, il va déposer la petite carte magnétique. Bon bah go hein. Tous en chauffe. C'est moi d'abord. Charmant.
Enfoiré. Les cartes magnétiques en main, on pouvait passer à la phase 2. Voler deux insurgents dans un site de test de Meriwether à la carrière de David Quartz. Ok, ouais c'est parti. Ouais, c'est parti. Allez, on arrose. Tranquille. À l'aise. Yes, c'est bon ça. Yeah man. Là, je change mon slip. Tu mets ton slip lourd. Mon slip lourd. Slip blindé quoi. Slip en Kevlar, tu sais. Ton parcouille. Mon parcouille. Laisse pas traîner ta bite. Vous est-il déjà arrivé de prendre d'assaut un porte-avions? Non? Eh ben nous aussi. Il fallait qu'on se procure un dispositif à impulsion électromagnétique pour couper le courant des laboratoires. Un IEM. La seule façon de s'en procurer un, c'était de voler un jet de l'armée. We'll be right back.
Allez les gars. Allez go. Allez c'est parti. On y va. C'est bon, je monte là dans un avion là. Attends, l'hydra il est gardé par deux mecs encore. Trois mecs ouais. Ouais, de toute façon, je décolle pas tout de suite, je décolle en dernier moi. Tout le monde en avion, c'est bon. C'est bon. Ouais, allez, les lasers, hein. On descend. Hein. Pas de soucis. Roger, on décolle. À droite moi déjà. Moi je suis à droite aussi. Il est collé de la base, c'est pour ça qu'on a lancé. Attends, non, 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 ça y est, j'en ai deux en visu, deux en visu. Je vais rouler, je tire. Attends, je vais rouler. Putain de justesse. Me quitte hein les gars. C'est bon, j'en ai eu un. J'en ai eu deux. Ok, c'est bon, il est dead. Ok. Ok, on retourne à la base les mecs. Ouais, oh, le braquage, c'est facile. Ouais, dans le Valkiki, c'est pas évident quand même. On reste en Kuruma. En Kuruma, si, ouais, en Kuruma, ça va tout seul. On reste en Kuruma, et une fois en hélicoptère, il faut toujours, toujours se mettre face à l'ennemi. Bah ouais. Et c'est les doigts dans le. Tu vas voir, ça va aller tout seul. Mais on reste en Kuruma, surtout... ça veut dire quoi? Bah parce qu'en fait on va à Meriwether, il va y avoir du monde, mais en fait on fait un peu comme dans Sortie de prison, ah, mais non, quand on va chercher l'avion. Ah. Ouais, bah, bon, c'est après, pareil, c'est tu vas toujours face à l'ennemi. Ouais, tu vas face à l'ennemi. Après maintes et maintes discussions, voilà comment on est arrivé chez Meriwether le lendemain matin. À la fraîche.
en toute discrétion. Allez les mecs, on assure. Face à face, ça va le faire. À gauche, ouais, effectivement. Bien. Saturday night. On s'agit comme d'hab, on se prend un coup, on dit tout ça vite fait, puis voilà. Bon, ouais. un coup suffit. Hein. Un coup suffit. Finalement, il nous restait plus qu'à livrer l'IEM. Tranquillement. Discrètement, et tout serait prêt pour le jour J. Normalement, je prends le mec à la route. Qui brille. Moi, je prends le scientifique de droite. Ah, bah, c'était vraiment le premier. Ouais, je prends celui de gauche si tu veux. 4. Attends. 2 à la voiture, 2 scientifiques. Ok, moi, je prends le mec à la route à côté de la voiture.
Ok, c'est propre. Il faut que je fasse le tour. Il faut que je fasse le tour. Fais ce que t'as à faire, mec. Attends. Ok, je rentre là sur Jean. Ah bah voilà. Allez les zizi, on évacue. La nuit tombait doucement sur la campagne de San Andreas. C'était le soir. Le D-Day. Le jour J, quoi. C'était le soir du raid sur les labos Humane. Switch to night vision. Okay, ground team, let's go. Blow the doors and get into the lab. What we need is being stored in a research station in the center of the facility. Move quickly, get through the lab and get us that data. Il me fait chier lui. C'est bon. Ok, allez, on y va, on progresse. Looks like some systems are running on emergency generator. As long as the main switch is off, that won't cause us problems. Il n'y a plus de chance. Non, pas du tout. Il y en a là, dégage. Ok, on va au terminal. Ah, bien joué. On arrive. C'est bon, on arrive au tunnel. Je suis là. Je descends dans le tunnel. C'est bon, on sort du tunnel.
Ce soir-là, aucun blessé à déclarer. Le GFC s'en sortait encore bien. La mission était remplie et avec brio. Et même avec un moteur en moins, les ZZ réussit à poser l'hélico sans problème. On allait pouvoir rentrer au chaud et profiter de notre magot. Yeah. Toi, tu veux du contact, toi, prochain.